Bon, on l'accueille tout de suite, l'homme qui murmurait à l'oreille des bœufs musqués, Évrard Vandenbaum. Merci d'être là avec nous cet après-midi. Bonjour. Très beau film. Alors, ça fait quoi de réaliser un rêve de gosse, Évrard, monter sur un iceberg? Mais je sais pas, j'imagine que tout le monde n'a pas forcément rêvé de ça. Pour moi, c'était assez fort. Ouais. C'était, bon, c'est aussi assez fort parce que, si vous avez vu, c'est quand même assez dangereux. Donc, on sait qu'on n'a qu'une seule chance, quoi. Enfin, on ne va pas le faire ça, on ne va pas répéter ça plusieurs fois dans sa vie. Donc, on a une occasion de le faire. C'est ce qui rend la chose très intense, en fait. C'est pas simplement le fait que ce soit un rêve, c'est qu'on n'a pas 36 moments dans la vie où on peut le réaliser. On a vu que la méthode de descente était aussi particulière. Ouais, c'était aussi un rêve. Mais alors, ça, c'est des. Moi, j'ai toujours eu des rêves débiles. Hein. Ceux qui font des choses avec moi depuis longtemps, ils ont remarqué. Mais ceci dit, là encore, on a eu la chance, en fait, cet été-là. Donc c'était à l'été 2016, de découvrir une région du monde où tout était là pour s'amuser. On était là pour faire de la science, mais moi j'ai toujours vécu la science comme quelque chose qui devait être vécu avec fun. Il n'y a pas de raison que ce soit absolument dans un laboratoire et que ce soit pénible, si je puis dire. On a aussi le droit de s'amuser de temps en temps en faisant de la science, et nous c'est typiquement ce qu'on essaye de faire dans nos expéditions scientifiques avec Nature Évolution. Et là, il y avait tout ce qu'il fallait pour ça. Donc, on en a profité. Il y en a un autre qui s'est beaucoup amusé. C'est l'apnéiste Laurent Marie. Il n'a pas pu être là cet après-midi. Mais on a fait un petit Skype l'autre jour avec lui. Il voulait vous dire un petit mot. Laurent Marie, l'apnéiste que vous avez vu dans le film. Et vous allez remarquer qu'à Brest, il fait très beau. Bonjour Laurent Marie. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait de nager dans les entrailles d'un glacier ? Ce qui m'attire dans ces aventures, c'est l'exploration, c'est de reconnaître des endroits qu'on connaît peu. Et donc là, c'était, je pense, quelque chose de fabuleux auquel je n'avais jamais pensé. Et dessous, le son diminue et on rentre vraiment dans le cœur du glacier. Après, c'est une immersion qui ressemble à aucune autre. Voilà, qu'est-ce que je ressens ? C'est de l'étonnement, hein. C'est une découverte, ouais, aussi simple que ça, hein. c'est une découverte. À quoi il faut penser sous l'eau ? C'est déjà d'essayer de reconnaître cet endroit et de savoir comment il est configuré. Il descendait jusqu'à 7-8 mètres de profondeur sur une distance d'une quinzaine de mètres. De ressentir aussi cet effet de l'eau. Donc il y a ce mouvement, mais il y a aussi cette aspiration parce que cette eau s'évacue par quelque part. Et vers une certaine faille, il y avait ce phénomène d'aspiration qui permettait à l'eau de s'évacuer, qui peut être très dangereux au final. Hein. Donc Évrard, lui, me tenait en sécurité avec un bout. Voilà, pour pas que je me fasse bloquer dans cette aspiration. Tout le long de cette faille, il y a un sable noir qui bougeait, qui remuait avec ce phénomène de courant. Donc quand je l'éclairais avec ma lampe et mon caisson, ça faisait comme une pluie d'étoiles. Et ça, c'était très beau, parce qu'il y avait ce contraste entre tout ce bruit et tout ce mouvement en surface, et ce calme. Et en immersion, ce calme au niveau de cette faille, avec ces étoiles, avec ce sable qui était en train de briller. Et ça, c'était quelque chose qui était très, très beau, en fait, au final. Merci, Laurent-Marie, d'avoir dit quelques mots sur cette très belle expérience. Ouais, très bonne journée. Merci à vous. Allez, à très bientôt. Au revoir et bonjour à toute l'équipe. Salut, Évrard. Voilà, alors à Brest, on dit un bout, à Grenoble, on dit une corde. Voilà. Ouais, mais à Grenoble, on ne plonge pas dans des eaux à 1 degré. Non, lui, c'est quand même un sacré gaillard. Peut-être l'avez-vous ça déjà fait. Ça s'était déjà fait Honnêtement, je ne sais pas. Là, ça a été refait depuis, ça c'est sûr. Il y a eu même des plongées plus profondes que ça. Mais en apnée, j'ai pas, à ma connaissance, non. Et je pense qu'on avait choisi le bon gaillard pour ça. C'est le spécialiste des plongées en eau, enfin des apnées en eau froide. Il a déjà plongé avec énormément de baleines, de dorques, des choses comme ça. De narvals, il a tenté les narvals, il n'a pas encore réussi. Mais c'est un gars exceptionnel. Pour vous donner une idée, là, on s'en rend pas trop compte dans le film, mais il est resté une heure
dans l'eau, évidemment pas une heure en apnée, mais une heure dans l'eau à 1 degré, il était zen, mais hyper zen, quoi, alors que nous, on était frigorifié, accroché à notre bout de glace. Il nous a dit que la remontée avait été un peu compliquée. Bon, voilà. Par contre, il a un peu lutté à la remontée, ouais. D'autres membres de l'expédition sont là avec nous cet après-midi. Éric Larose, il arrive en courant, Éric Larose, sportif dans l'âme, on l'a vu dans ses exploits en spéléo sous glaciaire. Éric Larose, chercheur à l'ISTER, l'Institut des sciences de la Terre, à Grenoble. Bonjour Éric. Salut, vous allez bien, monsieur Lionel Carillon ? Très bien. Vous, votre truc, c'est de mettre des micros un peu partout. Des micros, mais pas ceux-là, hein. Des micros qui enregistrent les vibrations du sol et les fameux murmures de la glace, ouais. Qu'on peut ensuite... oui. Non, vous disiez dans le film que ça allait prendre des mois, une année à analyser tout ça. Il en ressort quoi de ces expériences ? On a déjà une première vision de l'ensemble des enregistrements qu'on a fait. On en a fait beaucoup. Il faut compter 2-3 ans minimum de traitement des données pour en faire quelque chose. Mais déjà, on a les premiers résultats. Par exemple, les murmures de la glace, on voit très bien que la riptide rivière, là... une rivière plus ou moins grosse, clairement les murmures sont pas les mêmes en journée, en soirée, le matin, et l'activité elle est le plus importante l'après-midi et au début de la nuit, parce qu'en fait c'est lié au réchauffement du soleil et à la fonte de la glace en surface. Donc ça veut dire qu'à partir des murmures de la glace, on va être capable de suivre l'activité des rivières, et ça c'est hyper hyper important, parce que mesurer le débit des rivières, c'est extrêmement compliqué. Vous avez l'Isère à côté, pour connaître le débit de l'Isère, il a fallu des mesures pendant une période de 1-2 siècles d'accumulation de mesures pour vraiment comprendre le débit des rivières. Donc les murmures des rivières, les murmures de la glace, tout ça, ça nous renseigne énormément sur l'activité de ces objets-là, ces rivières. Vous parliez de l'écoulement de l'eau sur les glaciers, à l'intérieur du glacier. Ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas encore complètement, de même que l'avancée des glaciers. Il reste encore plein de choses à comprendre pour les scientifiques aujourd'hui. Ce qu'on sait faire, c'est décrire l'avancée des glaciers à partir des mesures de surface. On met un point, on mesure la position du point. Ce qui passe dessous, par contre, c'est vraiment pas du tout évident. Et tant que l'eau elle est en surface, on voit très bien ce qui se passe. C'est pareil, lorsqu'elle plonge, on ne sait pas très bien, en particulier rarement mentionné dans le film, il y a un moment où l'eau de surface passe sous le glacier, probablement il y a un mélange qui se produit, et alors ça c'est le mystère, hein. Donc c'est la prochaine expé Evrard pour aller voir ce qui se passe dans le plus gros moulin dans lequel on est descendu, avec une grosse rivière à un moment, on descend juste de 40 mètres en rappel. Évidemment, hors de question d'aller plus loin en plein été à cause du débit, hein, 10 mètres cubes par seconde en gros. Voilà, donc là, pour aller plus profond, il faudrait y retourner à l'automne, à un moment où la rivière s'arrête, et on aurait 2-3 semaines en gros, une fenêtre de 2-3 semaines pour descendre à l'intérieur et peut-être faire ces fameux 10 km, parce que c'est ce qu'on estime, hein, une rivière souterraine qui ferait une dizaine de kilomètres. On vous voit dans le film faire de la spéléo sous glaciaire, mais vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais un glacier, ça bouge, ça avance. Vous n'avez pas peur que la porte se referme derrière vous ? Ouais, ça, j'avoue que l'idée m'a effleuré l'esprit quand j'étais au fond. Ouais, il y a un moment où on est vraiment au ras du sol. En fait, le glacier, il avance très lentement, mais il se peut qu'il avance par à-coup, qu'il y ait des petits cracks, et puis hop, on avance de 20 cm. Alors là, 20 cm, on ne ressortait pas. Donc voilà, on a croisé les doigts, mais enfin... Il ne faut pas faire des choses pareilles, Eric. Non, mais on est très raisonnable. Et vous n'aviez pas de boots ? Hein, on avait les bouts dans le sac, au cas où. Évrard, il y a une dimension écologique, éthique dans vos voyages et vos expéditions. On le voit très bien dans le film. Beaucoup de portages, pas d'hélico, pas de gros moyens. C'est important. Alors l'hélico, je ne vais pas dire que je ne l'ai jamais utilisé. Ça nous arrive dans certaines expéditions parce que c'est impossible de faire autrement, ou alors il ne faudrait pas faire d'expédition dans ces endroits-là. Mais là, on a effectivement eu l'opportunité de faire à peu près ce qu'on voulait. Évidemment, ça limite un certain nombre d'actions, hein, quand même. Mais on a pu faire à peu près les objectifs qu'on s'était fixés au départ sans utiliser d'hélicoptère. Moi, voilà, ma limite, elle est là. C'est si notre objectif il est atteignable en portant et en faisant des choses nous-mêmes, alors on le fait nous-mêmes. Sinon, si on doit impérativement utiliser un hélico, qu'on l'utilise, mais le moins possible. Voilà. Il y avait plein d'autres scientifiques alors qui vous ont accompagné, notamment des spécialistes de la faune, de la flore, pardon, pour étudier les plantes qui poussent là-bas. Mais il y a quelque chose qui pousse là au Groenland ? Ouais. Alors ce qu'il faut voir, c'est que le Groenland, c'est nous, dans notre inconscient collectif ou conscient collectif, on a l'impression que c'est tout recouvert de glace. En l'occurrence, c'est absolument pas le cas. Il y a une très grande surface qui est d'ailleurs supérieure à la surface de l'Allemagne, tout compris, qui est de la toundra.
Donc c'est de l'herbe, enfin c'est plein de petites plantes rases, beaucoup d'arbres, mais des arbres qui font 15 cm, 20 cm de haut. Bonsaï. Et ouais, on peut dire ça comme ça. Disons, ils subissent des conditions climatiques qui sont tellement rudes qu'ils ne peuvent pas grandir plus que ça. Principalement, c'est les conditions les plus difficiles, c'est le froid, hein, évidemment, pendant la plus grande partie de l'année. Et ces plantes-là, on les connaît assez mal. En tout cas, on sait assez mal comment elles survivent, justement, ou comment quelles conditions, architecture de la feuille, par exemple, y a pu se développer pour qu'elles résistent aux conditions qu'elles subissent. Voilà, donc on a travaillé là-dessus, mais on a travaillé plus globalement aussi sur l'évolution des populations de loups arctiques, sur l'évolution des populations de bœufs musqués, etc. Enfin, on avait tout un tas de protocoles. Juste pour vous donner une petite idée de la raison pour laquelle on a travaillé sur tout ça et qui fait le lien avec le travail d'Éric, c'est qu'aujourd'hui, le Groenland est une terre qui se dégèle complètement et ce dégel a un impact énorme, pas seulement sur les plantes du coin, pas seulement sur les écosystèmes locaux, mais plus globalement sur toute la planète. Et en l'occurrence, si je peux juste citer quelques tout petits exemples, il y en a un sur lequel on a travaillé qui est la grippe aviaire. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec la grippe aviaire ? Quel rapport ? La grippe aviaire. Et le rapport, il est simple, c'est que vous avez peut-être déjà entendu parler d'un truc qui s'appelle le permafrost. Non ? La terre gelée. Absolument. Alors, en fait, il y a dans ces régions arctiques, il y a toujours eu, ou en tout cas, peut-être pas toujours, je vais dire, c'est un mot qui scientifiquement n'est pas valable, mais en tout cas, les derniers milliers d'années, il y a eu une couche de sol qui était complètement gelée, à longueur d'année. Et cette couche de sol, elle se dégèle petit à petit. Et il s'avère que dans cette couche de sol, il y a des virus, des microbes, des bactéries, etc. Et que ces virus, ces microbes ont été emmagasinés là pendant des dizaines de milliers d'années et que maintenant, ils ressortent. Ils sont à l'air libre ou ils sont pris dans les eaux, etc. Et dans ces eaux-là, il y a des oiseaux qui viennent, des oiseaux migrateurs. Et le fait est que la grippe aviaire, par exemple, a été amenée à des oiseaux de batterie qu'on a nous, chez nous, en Europe ou en Asie ou ailleurs, par des oiseaux migrateurs sauvages qui viennent migrer au Groenland. Et donc, une des pistes de réflexion, c'était est-ce qu'il y est possible que le virus de grippe aviaire soit issu du permafrost ? Juste pour ne pas paraître complètement dingue, il y a énormément de virus qui chaque année sont découverts dans le permafrost, et notamment les plus gros virus du monde qui ont été découverts il y a quelques années, qui sont dans ce fameux permafrost. Et donc ça permet d'étudier tout ça. Merci Évrard, merci Eric. Vous...